checker Insta. Ça commence, mais... Checker Insta, walk with Dreris. Frangin. Excuse-moi. Frangin. Frérot. Ouais, excuse-moi, je fais des vidéos sur le style des gens. Bien. Est-ce que tu serais chaud de décrire vite fait en 2-3 secondes ton style? Ouais, bien sûr. Frérot, on est ensemble. Bon. J'ai couru là. Bon. J'ai une paire d'Azix. Alright. Nice. Un jeans Levi's. Ok. Un pull Lacoste. Des t-shirts Lacoste. Oh, Levi's. Équipé. Aussi. Avec équipé. Des petits AirPods. Nice. En tout cas, merci, hein. Bonne journée à toi. Merci hein. À toi aussi. On est ensemble. Yeah. Avec Maïté. Maïté, enchanté. Et Taïbou. Comment? Taïbou. Taïbou, enchanté. Ok. Qui va commencer par décrire son fit du jour? Comme ça. Alright. Alors, petite P6000, juste là, qui me permet d'être smooth dans ma démarche. Petit nuage, c'est important parce que je marche beaucoup. Alright. Petit détail qui n'en est pas trop long, qui n'en est pas loin, des petites chaussettes. Scintillantes. Je marquerai les poils, ça aussi ça fait partie de notre film. Très important. Ensuite, petit shirt, shirt en jeans que j'ai réussi à solder, enfin acheter en solde chez Levi's, donc sympa. Putain, trop lourd. Et puis, petit pull qui a une énorme tache, que j'avais pas remarqué d'ailleurs, donc c'est pas mal, que j'ai chopé chez ma tante et qui lui appartenait il fut un temps. Ça y passe bien en tout cas. Puis, parce qu'on est en Belgique, on n'est pas à l'abri d'une grosse drache. C'est carré. Et la petite bague. La petite bague qui me tient au poids. Alright. Merci en tout cas. Yes. Et du coup, moi, petite salopette, petit style confort on va dire, on est après taf. J'ai pas fait d'efforts sur les shoes parce que je les ai achetés en contrefaçon à l'étranger. Mais ça fait le taf, ça reste là. Pour le travail, attends. Ouais, voilà, c'est pour le travail. Mais ça tient, ça fait un an que c'est là. Donc, ah ouais? On respecte, ouais. Tiens. Ouais. Moi, celle-là, c'est même pas 6 mois. Ouais, mais t'as quand même plus de semelles. Ah, j'avoue. Donc, voilà, les shoes un peu pour avoir les efforts quand même. La petite salopette que j'ai économisée pendant un an pour m'acheter parce que je faisais une ficelle dessus depuis le lycée. Donc, elle m'a accompagnée pendant tous mes voyage, je l'aime. Et petit t-shirt du petit en dessous, placement de produit un peu trop gros, donc je le cache sous la salopette. Et sinon, bah, mon truc, c'est les bijoux. Du coup, les ongles longs avec les bagues, les bijoux qui viennent du bled, n'est-ce pas? Et les petites boucles d'oreilles. Terrible. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bah, s'il te plaît, comme on dit. What's up, l'équipe? Bien ou quoi? Ça va, tranquille? Bien. Ça va? Bien. On est ensemble, hein? Si. Bon, qui veut commencer à décrire son style aujourd'hui, là? Non, on commence par la gauche. On commence par la gauche. Alright. Tell us, my man. Voilà. Raconte-moi un peu. Il y a un petit pull œuf. Un jeans qu'on a pris à un dart d'un pote. Et une Air Max 95 qui fait 10 couleurs. Oh. Voilà. Nice. Ça coche carré. C'est ça. Il y a voilà, plus que ça. Carré. Terrible. Non, mais moi, je vais enlever le pull. Attends, je vais mettre le t-shirt. Le t-shirt, voilà, l'avantage d'avoir des petits pieds, c'est qu'on peut s'habiller chez les femmes et c'est moins cher. Ça, on est là. Tu fais quelle pointure? 40, 41, 39, ça peut rentrer. Oh, mais ça, t'as le pied ajustable. Ouais, clairement. J'ai le pied passable. Terrible. Et attends, les chaussettes là. Les chaussettes Nike, ouais, ça a été un peu matché. Mais c'est pas. Non, fallait pas. C'est le truc. Mais. Alright. Who's the next? Moi, frérot. Si on veut du réel, CR7. Oh my god! Et puis le. Non, petit pantalon, jean partout, petit Jordan 5, gratos, on a reçu gratos. Mais là, c'est la team gratuité là! Ouais, la team gratuité. La team bonne affaire. Bonne affaire, c'est ça. Hein. C'est vous aujourd'hui les bonnes affaires. Aujourd'hui on est brossons. Hein. Ça a sorti. Oh t'as sorti le plus aussi, tu connais? Oh là là, on a jamais trop chaud pour un foutou, je t'ai capté. Normal. T'as un pull car, mon ref, t'as vu, avec un petit jean. 30€ en prix, mon pote. Petit 10-5, qui l'a commandé? Oh, ça, personne n'a chopper. Shadow. Dédicace à tous mes gars, Underlegs.
c'est ce moment peu rappelable. Avec Simon. Simon, enchanté frérot. Enchanté. Alors raconte-moi un peu comment tu es habillé aujourd'hui. Pas grand chose. Un bon vieux jeans, un petit pull. Et des chaussures bien trouées. Yes sir. Elles ont vu, elles sont là. Ouais, elles sont bien bon, je veux bien. Nice. Tu viens d'où là? Je viens de chez moi. Et tu vas où? Je vais chez mon copain. Ah ok. Donc, bah en tout cas passe une bonne fin de journée. En direct avec l'inconnu gang. Ok c'est bon, c'est bon. Raconte-nous comment t'as sapé aujourd'hui l'inconnu. Aujourd'hui tenue simple tu connais. En mode full Lacoste. Super plutôt Cali. Oh là là là. En ce moment rupture de stock partout. Tu connais une petite paire de DN3 full white. Terrible. Terrible terrible. En ce moment. C'est carré. Et en termes d'accessoires, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la petite sacoche qui suit avec le survêt, tu connais? Oh là 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 là, ouais. Totalement ouais, ouais. Cali. Uh-huh. Le petit t-shirt qui suit. Yes sir. On a la sacoche et la petite casquette de Mickey. Exactement. La relique ici. Oh là 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 là. Et merci sur la zone. Hein. En tout cas, un grand merci à toi. Avec t'as plaisir, ça. Force à toi, mon reste. Simmer. Ça bouge pas. Aujourd'hui, je suis avec qui? Et comment tu vas? Ça va, ça va. Comment tu es habillé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un petit pull avec des petites... Oh, il y a une petite coccinelle. Oh, elle vient de toi. Ouais. J'ai un petit pull mauve tout doux comme ça, avec un bête petit top. Oh, elle est partie. Et une jupe, une longue jupe, parce qu'il fait un peu frais. Ouais. Et des Air Max 90 fluo, j'ai trouvé sur Vinted. Terrible, terrible. Ouais. Ah, t'as fait les bonnes affaires aussi. Hein. Ouais, de ouf, je les ai eu pas cher. Je crois 20 balles. 20 balles Vinted, ouais. Mais non. Elles sont trop bêtes. Putain, terrible. Vraiment très lourd. En tout cas, un grand merci à toi. Yes. Bonne journée, bien. Bonne soirée. Ouais. Bisous. Alexis, enchanté frérot. Enchanté, merci. Alors, comment tu es habillé aujourd'hui? Je suis habillé en petit ensemble un peu beige comme ça, avec un petit peu de rouge pour péter sur les chaussures. Tu vois, oh là 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 là. C'est quoi les chaussures là? Les Bowfish. Bowfish. Nike Air Bowfish. Le pantalon, franchement, je sais même pas c'est quoi la marque, c'est une marque danoise, tu vois. Ouais. Que j'ai acheté à Nits and Treats, à Molenbeek Saint-Jean. Ah, terrible. Suite et capuche, humanoïde attitude. Ça, on aime bien la marque. Des petites lunettes, c'est un peu du top, mais on va pas se mentir. Et la petite sacoche qui fait un peu tout, tu vois. Dr. Martens. Ok. Ça fait okay. Ah, tu as assuré le taf là. Bien joué. Merci à toi. On est ensemble. Aujourd'hui, je suis en présence de qui là même? Je m'appelle Mehdi. Mm-hmm. Dans la zone, je suis pas d'ici. Alright. Je pas dire on vient d'où. Non, pas, ça va. Et puis saper dans le Banks. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Raconte-nous un peu ta tenue aujourd'hui là. Un petit peu style vestimentaire de foot. Franco. Oh, on montre le trou de boulette. Ça arrive, ça c'est la. Hein, on va dire c'est la salade. Hein. Mm. Un petit survêt comme ça, histoire d'être en détente avec des petites Nike Adap. On appelle chaussures du futur. Oh là 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 là. En tout cas, t'as dégainé ça. Hein. Je te remercie. Hein. Merci à toi, frérot. Merci trop lourd. Yeah. Amaury. Amaury. Snotty sur Insta. Snotty. Oh ouais. Comment t'habilles aujourd'hui, Amaury? J'ai une petite paire de stock. En mode tranquille. Yes. Avec un petit jean sur le parap. Baggy, quoi. Ouais. Après, j'ai un peu de t-shirt Uniqlo. Ça fait le taf, quoi. Carafe, chemise, et les lunettes, je sais pas. Ah, mais ça va bien, hein. C'est voilà. Et la petite boucle d'oreille aussi, là. Ouais. Ok. Ah, bah merci en tout cas. Christophe. Christophe, comment t'habilles aujourd'hui? Bah, comme d'hab, un peu streetwear, quoi. Tu peux un peu nous décrire? Un petit baggy, un t-shirt Messenger Bruxelles et les petites. Animal. Animal? Voilà. Nice. Les petites lunettes aussi, la casquette. Casquette de chaîne. Ah oui, c'est vrai, la petite casquette collab. Ouais, ouais. Nice. Ouais, donc ça va. Ouais. Outfit gagnant, non? Terrible, ça ouais. Va. Parfait. C'est cool. Bonne journée. Hein. Également. Merci. Bah, du coup, la plupart, c'est en tout et seconde main. À part le pantalon, c'est une amie qui l'a fait à partir de pièces récupérées. Ok. Donc, c'est Fleur de Sermet. Ok, Fleur de Sermet. Ouais, et le, tout le reste, c'est vintage. Nice, donc, tu peux un peu nous montrer? Ouais, donc ça c'est au marché Opus, c'est un long champ, donc ça je m'en fiche, mais en soi la qualité est pas mal. Uh-huh. Avec des petites perles et tout. Ouais, 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 je suis très bigot sur les bords, mes croix et. Yes. Et mon chapelet, les chaussures, c'est aussi en seconde main. Et en général, c'est
quand même des bonnes marques, mais jamais plus de 15 euros, je pense, pour ce que j'ai fait. Putain, trop lourd, tu fais des bonnes affaires, quoi. Ouais. Ouais, même mes lunettes de soleil sont... C'est des Gucci, c'était 15 euros aussi. En oh là 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 là. Voilà. Ça donne bien. Mets-les un peu. Et elle tue, hein. Voilà. Ouais, c'est bon. Faut juste être patient et bien chercher. Nice. En tout cas, merci à vous. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Primark. Mm-hmm. Le pantalon, c'est de Sienna. Mes chaussures, je l'ai de Nike. Et c'est tout. Et mon sac de Zen. Ok. Nice, nice, nice. Bah, du coup, moi, le pull, il est de chez Primark. Mes sacs Primark aussi. Le jean Primark aussi. Et puis les chaussures de chez JD. Snipe, je sais pas, un truc comme ça. Oh, nice. Et la bague, enfin voilà, je sais pas. Nice, hein. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Ciao. Bah, dans les cheveux, les de soleil, mm-hmm. que mes potes elles ont trouvé à Dour, c'était Midday. Ouais. J'ai un haut Zara, basic. Je suis habillée en noir, c'est pour le travail d'ailleurs. Je vois pas comme ça d'arriver tous les jours. Ma sacoche, aïe. Yeah. La ceinture, c'est une H&M, c'est une vieille, elle est un peu rouillée. Le pantalon, c'est un Bershka. D'ailleurs, il est super bien pour les filles grandes, il va jusqu'au bout des jambes. Ok, j'ai... c'est un Bershka, hein. Ouais, c'est un Bershka, ça. Yes. Il est encore dispo normalement. Nike Air Force One, super confo pour quand tu travailles. Voilà. Classique. Ah bah, merci. Bon travail hein, aujourd'hui. Quoi? Bon travail. Hein. Merci. Toujours. Hein. Merci. Est-ce que un peu ton jeep? Bon, je crois que je me rappelle. Hein. Ça, c'est une collab de Converse avec une entreprise japonaise qui s'appelle okay. Wako Maria avec une autre entreprise japonaise. Moi, j'ai changé les lacets parce que j'aime bien les couleurs. Ici, ça, c'est une tenue de Lacoste Live. Donc, il y a des tirettes, un petit détail ici comme ça. Ouais. Là, j'ai les chaussettes de la collaboration de Teetering avec H&M. Ouais. Pareil pour l'autre, bien, c'est la même collab. Et puis, ici, ça, c'est un t-shirt vintage que j'ai acheté sur Vinted Ice Cream. Donc, ouais. Là, c'est une collab aussi. Fou. C'est un artiste. Ah ouais. T-shirt qui a été imprimé au Japon. Uniquement au Japon. Est-ce que c'est la marque de Pharrell, ouais. Mais par le designer Nigo qui avait fait Bade and Ape, Bade, tu vois, pour les gens qui connaissent, et qui a revendu sa marque et maintenant il a fait Human Made. Ouais. Maintenant ça c'est d'une friperie. Think Twice, j'ai acheté à 2 euros. Ça, c'est du wax que j'ai acheté en Afrique et que j'ai été faire. J'ai fait ce kimono, mais je sais plus dans quel pays. Mais je me rappelle pas. Ça peut être au Rwanda, ça peut être au Burkina Faso. Mais ça, c'est un design que moi j'avais décidé qu'il fasse quoi. Ah, c'est propre. Et oui, des lunettes Burberry. C'est mes lunettes de vue. Donc c'est pour le style, mais en vrai, sans ça, je vois pas. Ok. Mais voilà, je pense que c'est plus ou moins. Et la petite chaîne? Ah, et la chaîne, c'est de l'acier inoxydable. C'est pas de l'argent. Okay. Ça brille plus que l'argent. L'argent s'oxyde et il devient foncé. Ouais. En tout cas, c'est meurt. Hein. Ouais, vous allez où comme ça? Hein? Vous allez où comme ça? À Tour et Taxi. Ah ouais? Ouais. Oh, ouais. On va faire tout contenu pour Tour et Taxi. Trop lourd. En tout cas, bonne journée. Hein. Merci beaucoup. Nice, hein? Nice. Cool, hein? Cool. By far, hein? Moi j'aime bien les Sénégal. Sénégal? Dakar, Touba. Avec Nathan Skibbs. Nathan Skibbs, ok, yes. Terrible, terrible. Raconte-nous un peu comment tu es habillé aujourd'hui, quoi. Frangin, simplicité, hein. Mm-hmm. C'est bien, tu vois, t-shirt noir. Classique, classique. 501. Il est bien. All black. Ouais. Tu vois? Yes. Ouais, petite sacoche. On est là. Et les petites lunettes. Nice, merci. Hein. Là. Terrible, terrible. C'est terrible, hein. Ah, c'est carré. C'est la première fois comme film avec autant d'obsession. Qu'est-ce que j'ai mis? Mm. Ben, un bête pantalon, hein, frère, un bête polo. Mm-hmm. Truc du Zeman. You know. Des spots à 30 balles. Voilà. Si, si. Voilà, mes lunettes. C'est carré. Voilà, c'est carré. Non, non, non. Non. C'est, ah, bon, c'est carré. Hein, ouais. C'est carré. Pas, c'était carré il y a quelques années. C'est carré. En tout cas, merci. Hein. De rien. Si. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous sommes prêts à vous donner assistance pour
pour parler. Alors, tu demandais d'où ça vient. Moi, je sais d'où ça vient. Il se trouve que j'ai très peu de succès avec les femmes. Et que j'en ai toujours nourri un grand complexe. Et je suis allé voir un coach en séduction, qui n'est pas mon ami. Coach en séduction. Et il m'a dit, il faut faire un relooking. Oh. Et alors, il m'a relooké et je me suis demandé après si c'était pas foutu de ma gueule. Bah non, franchement. J'ai après, je sais pas c'était quoi avant, mais. Avant, c'était comme vous, les gars. Jogging, veste et tout, que des râteaux, quoi. Oh, c'est aussi la mode maintenant, la nouvelle mode de jogging. C'est parce qu'on n'a pas le même âge. Il est vraiment horrible. Mais lui, disons que. C'est horrible. Il faut savoir se moquer de soi-même un peu, quoi. C'est vrai que l'autodérision, ça ne fait pas de mal. Maintenant, vous pouvez me décrire de A à Z comment vous êtes habillé aujourd'hui. Qui commence? Mais moi, je veux bien décrire lui, mais je ne me décrirai pas moi. Bah, enfin, mais que chacun se griffe lui-même. Voilà, exactement. Je suis très mal, et donc je suis très mal. Mais tu connais qui? Les lunettes années 30, les cheveux un peu sales, le costard très très beau, mais un peu décoloré, et les chaussures, alors là, les chaussures font tout. Hein. Ah ouais. Les chaussures, serpent avec un bout en acier, ça fait vraiment... L'animal a souffert. Du faux serpent. Ah, c'est bon alors. Du faux serpent, je signale. Ok. Bon, c'est le seul reproche que je te ferai. And then, tu aurais voulu du vrai serpent? Évidemment. Allez, parle-nous un peu de toi. Non. Enfin, pas de... Enfin, de ta tenue. Alors toi, je dirais, j'aime bien tes cheveux décolorés, bandana qui fait un peu la liaison, la veste noire, c'est ok. Truc militaire, c'est vrai, ça c'est déjà vu, et les grosses baskets, on connaît. Non, mais regardez, regardez plutôt, mais c'est sympa de poser des questions. En tout cas, un grand merci les gars. Salut les gars. Merci, les gars, ciao. Bonne journée à... Guillaume. Guillaume, enchanté Guillaume. Tu peux un peu nous décrire ton style de la tête aux pieds, quoi, tranquillement. Ouais. Bah ouais, je suis un skater. Donc, yes. Du coup, mon style c'est plutôt baggy niveau pantalon. Je suis aussi des Converse skate. C'est une gamme skate de chez Converse. J'ai un pull, ça c'est bien, je vais faire un pull de mon shop. J'ai un pull de mon shop qui est le Stump, okay. Skate shop qui se trouve ici à Saint-Gilles, qui est plus haut là-bas dans la rue, près de la place Montrichard. Ouais. La veste Nike et la casquette, je sais même pas ce que j'ai sur la tête, c'est la Nike jaune. Ouais, Nike SB. Ouais. Voilà, Nike SB, genre. Tout full skate. Nice. Voilà. Merci en tout cas. Avec plaisir. Alors on est avec qui aujourd'hui? Avec Frankie Hollywood. Et comment vous êtes habillé, Frankie Hollywood? Décontracté. Moi j'aime bien ou super classe ou sinon super décontracté. Nice. Cool. Et sur la main. Voilà, dans la vie il faut rester simple et il faut rester pour être heureux. Le matériel c'est pas important. Tu vois, tu peux être multimillionnaire, gagner 130 millions ou 150 millions et t'es un pourri. J'aime bien décontracté. Ça, j'ai toujours dit, j'adore mon style. Mais quand je m'habille, j'adore être le top. Le costard, bien. Ouais. Tu dis, oui, mais putain, c'est qui ce gars-là? C'est Frankie Hollywood. Hey, Frankie, merci. Ciao, ciao.